plus grand que par CA, écrit pour TFX, 2018 à 03:22 t 19h24, 897 Z, mis à jour 2018 à 03:22 t 19h24, 1897 Z. Dans l'épisode 74 de La Villa des Cœurs Brisés, Aurélie Preston est revenue sur son passé et n'a pu contenir ses larmes. Du haut de ses 25 ans, Aurélie Preston traîne derrière elle un passé douloureux. Très jeune, elle a été abandonnée par ses deux parents. C'est sa grand-mère, du côté maternel, qui a pris le relais et l'a élevée pendant toute son enfance. Coachée du jour, Aurélie n'a pas d'autre choix que de raconter son histoire à Lucie, la love coach. La jolie blonde explique alors ne jamais avoir vu son père. Si elle avait tenté de renouer contact avec lui, les deux concernés n'ont jamais trop su quoi se dire. Un coup dur pour Aurélie, qui a appris son décès quelques semaines seulement avant d'intégrer la villa. Aujourd'hui, son passé l'empêche d'avancer. C'est également à cause de cela qu'elle n'est jamais réellement tombée amoureuse d'un homme. Désormais, elle souhaite que cela change. J'ai vraiment besoin de me construire, je le ressens vraiment en ce moment. Pour ma prochaine relation, si je tombe sur un malade, je me relèverai pas, je suis à bout, confie-t-elle. Aurélie est entrée dans la villa avec la problématique suivante, je suis traumatisée par les hommes. Une problématique dont elle ne pourra pas guérir tant qu'elle n'aura pas réglé le vrai problème, s'aimer soi-même, comme lui explique Lucie. Ce qu'Aurélie approuve, je prends conscience que si je ne m'aime pas, je ne pourrai jamais aimer personne d'autre, vu mon passé et vu d'où je viens, que je devrais être fière de moi et m'aimer. Je ne comprends pas pourquoi je m'aime pas. Les aventures des cœurs brisés, c'est tous les jours du lundi au vendredi dès 19h20 sur TFX, le coaching de Bilal, le premier bisou de Shirley. Découvrez ce qui vous attend dans l'épisode 75 de La Villa des Cœurs Brisés.